Tenneville, Saint-Aude et Bortogne sont des communes essentiellement rurales et agricoles. On peut y trouver un petit village nommé Mirechamp, où les gourmands seront ravis de découvrir les excellentes spécialités de la fromagerie du Moulin de Houet. Bonjour Margot. Bonjour et bienvenue à la chèvrerie du Moulin de Houet. Cette jeune productrice locale élève ses chèvres et pratique du maraîchage. Le maraîchage est une agriculture dans le but de faire un profit ou simplement d'en vivre. L'élevage de chèvres est une pratique qui est utilisée depuis environ 10 000 ans. Historiquement, on dit que le lait de chèvre était considéré comme l'aliment des dieux. Les premiers fromages de chèvre datent de 7 000 ans avant Jésus-Christ. Il est donc l'ancêtre de tous les fromages. Le lait de Margot est 100% bio, ainsi que ses fruits et ses légumes. Alors pour bien remplir son estomac, un bio. Ce week-end, entrez chez ces hommes et ces femmes qui font la Wallonie au quotidien. Partagez leur passion et découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, conteurs, gastronomes et artistes. Ces 22 et 23 avril, les Wallons vous ouvrent leurs portes à Saint-Georges-sur-Meuse, Stavelot, Bièvre, Vraie-sur-Semois, Moucron, Saint-Aude, Tenneville et Bortogne. Une initiative de la Wallonie avec La Une et Vivacité. Plus d'infos sur wallonie-bienvenue.be.